dur. Hein. Amicia. Tiens, on va jouer Lucas. Amicia, où es-tu? Je suis là. C'est très très dur ce jeu. Oh, oh mon dieu. S'il te plaît, non, c'est pas fini. Parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. Il est violent, hein, le jeu. Oh. Putain. C'est ton bras? Mon épaule. Ah bah elle est toute cassée. Faut la replacer. Bah vas-y Lucas. Hein. Vas-y. Vous voulez pas faire ça autrement? Ça va faire mal. Tu sais ce que tu fais? Oh mon dieu. Est-ce que ça va? Allez. Hugo, on y va. Ma Hugo est totalement cassé. Il a atteint la dernière phase. Thank you.
doit y avoir un moyen de sortir. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais donc ne t'éloigne pas trop. Alors... Nico, je pense que tu peux m'entendre. Non. Je suis désolée. Okay. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. Impossible de bouger ça d'ici. La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Ah, je peux faire un truc comme ça, là. Un poteau avec une corde. Laisse-moi voir tes yeux. Faudrait que je puisse accéder à ça. Pupille pas dilatée. Il cligne à peine. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Bah là, c'est juste un chariot, donc... Il doit y avoir un autre moyen quelque part. Ouais, ça c'est bon. Allez, go. On va pousser le chariot. Ah non, on va le faire revenir en arrière. Oui, c'est ça, c'est the solution. Je l'ai mis où on peut y aller plus loin. Ah, je sais pas si j'ai réussi ce que je voulais. Oui, si, j'ai bon. Ok. Ah oui, bah oui, quand elle saute... Oui, quand elle saute, elle se fait mal. Bah, tu m'étonnes. Je vois qu'il y a quelque chose de ce côté. C'est un établi, non ? Quel enfer ! Je peux pas ! Pitié ! Pitié ! Comment je vais faire ? Pitié ! Je peux pas ! Aidez-moi. Oh, Seigneur. En même temps, tout le monde se repose sur elle, en fait. Oh. Arrête. Arrête. Lève-toi. Sa mère est lève-toi, incapable lève-toi. De se défendre. Elle est morte, du coup. Lucas est certes bon en alchimie, mais... Il ne sert à rien. Donc tout le monde se repose sur Amicia. Si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Sois prudent. Quelque chose de fait. Bon travail. Essayons de grimper. Oui. Comment va-t-il ? Son esprit semble éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. C'est coincé. Ah bah c'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Rémi, sur famille. On pousse. Voyons ce qui est derrière. Ah, c'est ce qu'on est en train de faire. Ah non, ils essayent de tirer. Ah ben, il y a des rats. Voilà. C'est tout ça. Ah bah d'accord. Les flammes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Hein ? Ça tuera le soleil. Eh oui. Quoi ? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière.
C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non. Non. Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer. Non, assez! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre. Amicia, concentre-toi! Tu dois le faire revenir. Parle-lui. Empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Allez, on va espérer que la lanterne nous enfin, on puisse la garder. Bien. Au bout. La nébula est partout. Fais attention à ta torche. Oui. Ça va exploser. Hé hey, attention. Ouais, ça va exploser. Ah ouais. Qu'est-ce que... C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Ça va exploser, ça aussi. Ça brûle. Reste prudente. Ça va exploser, là. Je les vois. Ça va exploser. Attention. Laura. C'est pire que tout. Oh non. Oh. Ah. Elle sait qu'on est ici. Peu importe. Cours. Je crois que c'est lui qui fait ça. Quoi? J'ai senti son corps se contracter juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Son lien avec la Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. Oh là là. Pourquoi tous ceux qui arrivent? Bonjour à toi, Issa Saison. Par avancer. Quelque chose là-bas. Je le vois. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est impossible. Mais combien il y en a à l'intérieur? Oui. Je suis là. Hé. Hey. J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est ma maison. Arrête! Tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez? Il vient avec moi! Tu les as mis en colère. Ils arrivent! Ouais! Ah! L'objet bien dur! Vite! Ils vont tout détruire! Bon, vite!
vois? Il y a encore de la lumière. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de soleil, justement. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. On va y arriver. Village, il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est celle des rats. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. Ah, Hugo, reviens. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Hugo, reviens. Hugo, reviens. Les secousses ont amené ces maudits œufs à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez ? Obéissez-moi ! Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je suis désolée. Senti ça? Cette secousse a cassé les jarres d'huile. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. Croisez-moi la profanatrice. C'est pour ça que le comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu as hérité d'un nouveau titre, Amicia. Le comte est toujours vivant. Et demain. Comme ça, je sais où vous êtes. On doit se cacher. Il y a pas de... Laissez-nous partir. Ils sont combien à être déployés ici? On va récupérer nos carreaux, hein. Oh, bon, Hugo est plus ou moins de retour. J'ai l'impression qu'on va pouvoir le sauver quand même. Alors c'est ça la muraille? Ah, on dirait plutôt un gros... Pas de bruit. Mais je pense pas. Au diable, le beau. Parce qu'à la c'est fin, je pense qu'on... On tue tous de la même manière. Maintenant, Amicia, fais quelque chose. Je m'en occupe. Lui. Elle est morte parce qu'elle refusait de voir la vérité, comme vous tous. Merde, c'est pareil pour lui. Fais chier.
Ouais, je veux bien qu'il m'aide parce que il y en a un là, je sais pas comment le faire. Maintenant. Il est à toi. Il est à moi, pour l'instant tu lui as rien fait hein. Allez hop, là au moins c'est là. Celui à la grosse armure, je sais pas comment je vais me le faire. Ah si, je peux casser son armure. Nickel. Ah c'est bon. Maintenant vous pourriez enlever cette foutue corde de mon cou. Oui. Attention, des enfoirés en armure arrivent. Ah oh, finesse. Oh non, Hugo, reste là. Comment on fait là pour... Ah ouais, Hugo va les tuer avec ses reins. C'est pas vrai. C'est bien, allez hop. Merci Hugo. Oh non merde, mais oui, mais Hugo, ça y est, Hugo est cassé. C'est terminé maintenant. On y est arrivé, Hugo. Oui, respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Oh, l'angoisse. Alors allons-y. Non mais Lucas qui dit ça y est, il est aveuglé, vas-y! Mais non, et Lucas? Non. Non, tu es nul. Hugo dit que c'est à lui. Je pense que Arnaud peut nous en vouloir. On l'a quand même abandonné, non? Il pourrait totalement nous tuer, Arnaud, hein, mais bon, c'est pas grave. Sophia. Merci, professeur Adda, pour ton sub. C'est gentil comme tout. Merci. Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle est morte. Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Au secours. Ça reviendra jamais. Je sais. Hugo qui ramène sushi. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Ouais, enfin bon. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es, tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus mal. Chapitre 14, chat. Ça y est, ils sont sur la mer. Petit moment de repos là pour notre équipe, hein. Petit moment de repos pour notre équipe. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. Oh, t'as l'air frais. Je vais d'abord parler à Arnaud. Je crois qu'il m'en veut. Il s'est évanoui.
Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Hugo ? Comment est la vue ? C'est beau. À quoi tu penses ? C'est vrai que c'est beau, hein ? Moi, tu j'aime bien la mer. Tu crois que je suis différent ? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim ? Hein ? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens... différent. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai ? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. Non, ne parlez pas de Kraken. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh, les gens changent. Sa coupe de cheveux à Amicia ne ressemble plus à rien. Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il va bien ? Qui sait ? Et si on lui demandait directement ? D'accord. Amicia, c'est sa maison. Oui, il veut vivre dans Amicia. À ton avis ? Ce coquin. Les morts, ça parle pas. Bien vu. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil ? Oh, Amicia, tu baisses d'un ton. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé ! Un bateau ! Oh non. Oh non, c'est le comte ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décides quand elle s'arrête. Oh putain. Et pourquoi eux, ils vont plus vite que nous ? Non, non, c'est pas possible ! Ils ont des esclaves, c'est ça ? Va à l'intérieur, Hugo. La grand-voile. Reste à la barre. On va hisser la voile. Amicia, par ici. Avec moi. J'arrive. Ils s'en sortiront. Reste dans la corde. Occupe-toi de la corde, de l'autre côté. D'accord. Allez, plus vite. Ce salaud veut pas lâcher le morceau. Il faut les distancer. S'ils nous abordent, c'est fait. Viens. Ils continuent de gagner du terrain. Oh non, non. Qu'est-ce qu'on fait ? Tournez la voile dans le sens du vent ! On a besoin d'un meilleur angle ! Amicia, va sur le pont inférieur ! Tout de suite ! Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi ! Oui ! Ça marche ! On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud ! Aucune chance ! Ça marche ! On prend de la vitesse ! Mais ça ne suffira pas ! On ils arrivent ! Chargés. Jetez de la cargaison à l'eau ! Tout de suite ! Donne-moi un coup de main, Amicia ! J'arrive ! Donc dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ok. Oh ! Des archers ! Oh non ! Laissez tous la tête ! Oh là là ! Vite ! Je m'occupe du chargement. Vas-y ! D'accord. Tiens bon, j'arrive ! Vous pensiez vraiment vous enfuir avec mon enfant ? Ce n'est pas ton enfant, espèce de fou ! Touche-le Ne faites pas de mal à l'enfant ! Tuez tous les Merde. Autres ! Merde ! Allez au diable! Merde! Non, non, ah, mais ça refait! Ne meurs pas maintenant! Non, ils vont nous éprôner! Non, 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 oh là là, c'est dur! Oh non! Amicia!
Amicia! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils sont passés par Simon! Lève-toi, Amicia! Surtout qu'il n'y a pas de rat là, à cet endroit-là, en plein milieu de la mer. Lucas! Sophia! Non! Venez, je vais vous tailler en pièces! Ils sont trop nombreux, Arnaud! À nous deux, c'est jouable. J'arrive! Prenez ce bâton pour le compte de Provence! Oui, mais alors moi j'ai. Ok. Ne sois pas lâche! Tu comprends stratégie et lâcheté! Ça ne nous apprend pas! Ça va faire foutre! Ça ne fait pas! Et le prochain? Ça te fait quoi? Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un archer! On doit tenir, Arnaud! T'en fais pas! Je me reposerai pas avant d'avoir tué ce salaud! Je suis coincé. Venez! Venez tous! Je danserai sur vos cadavres! Ah merde! Le bateau est foutu, Arnaud! On prendra l'air! Ah là 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 là! Vite, vite! Oh là 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 là! Je vais mourir moi si ça continue! Vite, vite, vite! Les archers, c'est le plus! Il n'y aura pas de demain! Oh là 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 là. On peut y arriver. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh non. Je n'ai pas de carte. Je n'ai pas. Ah putain. Oh non. Vite, vite. Je t'en supplie, sers à quelque chose, Arnaud. Tue des gens. Parce que c'est chiant. C'est très chiant. Arnaud, ils sont trop nombreux. Arnaud, ils sont trop nombreux. Crois-toi. Si je dois m'occuper, si je pouvais m'occuper seulement des archers, Arnaud, ça serait sympa. Viens, Amicia, sors-moi. Tirez. Non, Amicia, non. Aïe, 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 aïe. Amicia! Y a pas de rat là en mer. Amicia! Y a pas de rat en mer, Hugo. Hein. Tu l'as tué. Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Moi, c'est ce que j'allais te dire, oh, mais juste. Les rats ne t'aideront pas. C'est ce que j'allais ici. Te dire. Entre eux, avec tous les. Les avertissements que tu lui as donnés. Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Non, il va pas le tuer. Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils! C'est un dieu. C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily. Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le! Bad ending, du coup, j'ai eu le bad ending. Eh oui. Bon, 15. Le soleil agonisant. Ah,
Sois maudit, espèce de sale porc. Chut. Ne crie pas. Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. De l'alcool, de la bonne gnôle. Hugo. Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Le comte sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. Je sais. Accroche-toi, ça fera vite effet. Le comte, il a dit quelque chose? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Sophia et Lucas? Secoué, mais ça va. Le garçon, c'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Ouais, c'est vrai. Je suis si heureuse qu'ils soient. Ça ferait un bon Euplectel 3 si ça s'était coupé pile là. On voit juste Amicia tomber dans l'eau. Je crois que. Et le jeu s'arrête. Là, c'est. Là, tout le monde se répond en disant quoi ? Quoi ? Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Ça aurait été une très bonne fin. Mais bon, je sais pas ce qu'ils vont faire du coup avec les deux derniers chapitres. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important. Avant de le perdre. Merci. On va le retrouver. Parle comme un vrai chevalier, Arnaud. Non. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Ordure! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi, peu tête de mule. Pourquoi? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Oui, alors, qu'il serve à quelque chose, Arnaud, là, parce que pendant le bateau, il ne servait pas à grand chose, hein. Lucas, tu es blessé? Non, on ne peut pas bouger. Surtout, reste en vie. On va vous sortir de là. Vous n'irez nulle part. Bah, je ne t'avais pas vu, toi. Salaud! Qu'as-tu fait du garçon? C'est mon fils. Sacré. Je sais pas du tout. L'enfant est avec nous. Tu ne finiras pas ton œuvre funeste, profanatrice. Je voulais récupérer ça. Je voulais récupérer les carquois. J'en ai récupéré un, c'est déjà pas mal. Et tout de suite, démolis-les, Gabine. T'es plus fort qu'ils le font jamais. Où as-tu emmené mon frère? Ok. On va récupérer le carreau. Le temps des compromis s'est arrêté avec lui. Ok. Lui, vous allez mourir. Non, c'est pas ça. Ça, ça. Déjà ça. Pourquoi cherchez-vous tant à mourir? Ton sang tatoué, ton sang corrompu coulera à flot. Ok. J'arrive, Hugo. Ils ne nous arrêteront pas. Voilà.
Là, on est bon. Hugo. Oula ! Il me croit morte. Il s'est livré à la Macula. Et merde. Marseille. T'as amené l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île ? La ferme ! Je ferai le nécessaire. Parce que j'ai pas de couteau. Ouvrez les yeux. C'est trop tard. Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arnaud, on doit partir, vite. Vous ne partirez nulle part. C'est quoi cette saloperie? De la sensation. Elle nous jette en sang. Tu es là, vite. Pauvre Cynthia. Merde, c'est pas ça que je voulais. La vérité, une fois. C'est votre dernière chance. Là, il y a un pot, là. Je veux viser ce peu. Non, le pot qui est là, bordel de cul de bite. Mais c'est... Pourquoi... Son sang est sur tes mains. C'était la guerre. Vous allez exploser, non? Avec ça? Voilà, j'ai pas de couteau. Et laisse partir le garçon. C'est la folie qui fait tomber ce monde. Mais je réglerai ça à ma façon. Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas mon frère. J'ai tellement envie de te tuer. Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché une grosse arrogante. Monseigneur. Ok. Là-bas, c'est qui? Ah, merde. Tu es la pire. Elle essaie de tous vous sauver, sale fille. Il est où? Il est où? Il est là. C'est bon, il est mort. Hop, je récupère le carquois, on est bon. Ah bah Arnaud, j'ai battu une dizaine d'hommes à moi toute seule. Et toi, tu n'es qu'un chien trop stupide. Amicia, à toi. J'ai battu une dizaine d'hommes. Et ah, il nous oblige avec la fronde. Putain, j'ai tué tout le monde! Toute seule! Arnaud! Arrête de beugler. Pardon, Mais en plus, il ose me dire arrête de beugler. Non! Putain. L'heure est venue. Tu m'as permis de finir en beauté. C'était destiné à la streameuse, oui. C'est un bon petit gars. Et toi ? Je sais. Toi. Bah, on saura pas ce qu'il pense de moi, mais... Voilà. On a tué le grand méchant du jeu. Il reste plus qu'à libérer Hugo et lui dire que je suis encore en vie, quoi. Ça tuera le soleil. La nébula. Ah, il me déteste, je crois. Joli coup. Vieil imbécile. On te doit tous, beaucoup. Moi, surtout, non. J'ai tué quand même une dizaine d'hommes. Hein. Arnaud a juste... Elle est partout. Comment dire, tenu le gros méchant. J'ai rien à tout envahir. Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance. Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Eh ben, très bien.
combien de temps jusqu'à Marseille? Oh, you finally awoke. Ça, c'était pour la petite ref. Tu te sens bien? Non, j'aurais pu... Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Bravo, sans compter que bravo, tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort du comte. Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Putain, oui. On arrive à Blanche Rive. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. C'est... c'est le choix ultime de la Macula. Maman! Il faut faire demi-tour! Il faut retrouver maman! Lève-toi! Je t'en supplie, lève-toi! Je ne peux pas! Ma jambe! Il le faut! On a besoin c'est de bien le château de Elgen. Elgen. Marseille! Ils sont en train le de dragon la va arriver sur le château. Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Mais, et les gens encore à l'intérieur? Ils sont déjà morts! Continue! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a ce canon! Tu sais t'en servir? Mais j'en sais rien! Attends, tu pousses là? Ça doit être ça. J'ai compris, je crois. Alors vas-y! Qu'est-ce qu'il faut que je vise, moi? C'est... du feu grégeois? Oui. Le comte a récupéré des chariots de l'ordre. Mais faut que je fasse quoi, moi? Faut que je... Attendez, moi, j'ai pas compris. Bon, faut que je vise, quoi. Je sais pas, moi, je vise. Au-delà de ces murs, n'y pense pas pour le moment. Bah voilà. J'ai mis tout en feu. C'est parti. Allez-y, vous pouvez, allons-y, le chemin est libre. C'est trop d'un, hein. Seul moyen de gérer la démence de mon frère, hein. Ces secousses ne viennent pas du sol. Non, elles viennent des remparts. On dirait des battements. Son cœur les commande. Tu imagines combien elles sont? Alors c'est comme ça que ça commence. Notre châtiment. En vie, hein. Avec tout ce qu'on lui fait subir, elle est toujours en vie. Hugo. Sophia, par ici. Est-ce que ça va? À ton avis? On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant, cette saison. Allons retrouver mon frère.
16e chapitre, le roi Hugo. Donc normalement, c'est le dernier chapitre. Et moi qui te pensais invincible? C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Lucas, je veux te dire que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde. J'en sais rien, mais vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, oui, c'est vrai. Il doit vivre. Non, 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 c'est quelqu'un de... Que ce qui lui arrive. C'est pas son frère, Lucas, non, non. Maintenant, c'est un ami. Fais attention à toi. Un ami qui pourrait être plus en réalité, hein. J'aurais été son jeu préféré, la conquête. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Un œillet. C'est la première fleur qu'Hugo m'a offerte. Juste avant qu'on te rencontre, Lucas. Ah. Je me sens vieux maintenant. Cette fleur va sûrement le... Très symbolique, c'est tout ça. Je crois que Hugo est au centre. Qu'en dites-vous? Mais qu'est-ce que c'est? C'est lui, tout ça. Il ne fait plus qu'un avec la Macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Je suis désolée. Oh là là. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Si on arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, il faut voir comment on y va. Hein. C'est à moi de... Amicia. Non, on y va ensemble. Nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors... Alors on plonge. Qu'il ne fasse pas ce que je pense là. On n'entend pas Lucas. Non, parce qu'elle a dit des messages hyper gentils à Lucas juste avant. Non, non, c'est juste... Non, non. Est-ce que ça va? Ah putain, oui. Sophia est blessée. Imaginez, là ça aurait été trop. Là. Ça aurait été J'essaie trop. De vous rejoindre. Bouge pas. Putain. Je te l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Mais elles ont toujours leurs fleurs, les deux. Hein. C'est encore pire. Ah ouais, je rage quitte si Lucas meurt. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi. Non, non, non. On avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Parle pas de malheur. Il y aura pas de marin à la fin de cette histoire. Si Sophia meurt, ça va. Je serai moins touchée. Parce que Lucas est quand même là depuis le premier opus, Lucas. Hein. Et reviens avec lui.
On se reverra, toi et moi. Pardon, excuse-moi, c'est pas bien. Bah, Arnaud est mort, hein. Ça y est, on a notre côté de mort. Même la mère, hein. La mère, Arnaud, bon, ça va. Il faut trouver Lucas d'abord. Lucas est un personnage qui doit vivre. Nous avons besoin d'un alchimiste. C'est vraiment toi. Amicia, je suis là. Hey. Et Sophia? Elle ne peut plus marcher. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On peut y arriver. Tu vois le grand mur toujours debout, en bas. Les râles contournent. On se rejoint là-bas. Oui, mais attends. À la moindre erreur. Je sais. Mais j'ai compté et ils ont toujours le même rythme. On peut tenter le coup entre deux vagues. D'accord. Quand tu veux. Ne t'inquiète pas, je serai derrière toi. Toujours bloqué, hein. Regarde-toi, caché sous une couverture, comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant là-dedans. Tu sais ce qu'on va y trouver ? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. Comment ils vont aller à la... au centre ? C'est ça, le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. Comment il va faire ? Parce que... Respire un grand coup. Ah.
Et le jeu se termine ainsi. Lucas ! Lucas ! Vous voyez pas derrière ? Seigneur ! Lucas ! Où es-tu ? Oh, j'ai la tête qui tourne. Ta priorité, c'est Hugo. Trouve-le. Hugo, c'est moi. Je suis vivante. Je suis là. Où es-tu? Oh là, il y a quelqu'un en plein milieu. Impossible. C'est un... Phénix. Ici ? Tous les phénix montrent le même endroit. Ah ouais. Encore un autre. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? C'est quoi cet endroit ? Ok, c'est là-bas. Les phénix, ils signifiaient quelque chose. Ils montraient la voie. Ils mènent sûrement à lui. Ils me font tourner en bourrique, là, les phénix. Est-ce que je perds la tête ? Hugo ! C'est toi qui fais ça ? C'est beau, Marseille, hein ? Grosse ambiance berserk aussi, là, hein ? Ils sont de plus en plus gros, les phénix, hein ? Les lois de la nature n'ont plus cours. Oui. Raccroche-toi à ça. Est-ce que c'est toi qui les as mis là, Hugo ? Je pense. Non. C'est toi. Hugo ! Oh, Hugo ! Merci, Seigneur ! Où es-tu ? Je suis là. Tout proche. Je ne te vois pas ! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux ici ! Ils montrent la voie, n'est-ce pas ? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement ! Il y avait une part de vérité ! C'était un mensonge, et ça a apporté la mort. Ce sont les gens qui l'ont apporté ! Hugo, je dois trouver une voie pour te sortir d'ici ! Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé, mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. J'essaye ! Ah, attendez. Donc en gros, ils sont réfléchis, en train de me dire... Amicia. Il est forcément tout près. De ne pas regarder vers les phénix, vous pensez ? De toute façon, je suis en train de tourner en rond, donc... Oh, fais quelque chose. Bon. Fais quelque chose. Je vais aller dans le sens contraire. Le sens contraire d'un phénix. Je vais regarder dans le sens opposé. De nouvelles voies. Est-ce que je tourne en rond depuis tout à l'heure ? Oui, c'est ça, je pense. Continue. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens... Je sais que tu es perdue et effrayée, mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux te voir. Souvent. Ne t'inquiète pas.
Je vais les avoir. Tu ne vas jamais arrêter de te battre. C'est eux ou non. Je n'ai pas de choix. Si, tu as le choix. Mais ça te fait peur. Ils sont trop nombreux, Anisha. Ça me dégage. Mais pas pour moi. Et ça me fait mal de devoir te battre comme ça. Quoi? Comme avant. Comme ton chat doit t'aller. Faut que j'arrête de me battre. Elle compte toujours. Elle compte. Faut que j'arrête de me battre, je pense. Arrêtez d'avancer. Ils ne s'arrêteront pas. C'est passé. Non. Je suis revenue en arrière. Hugo, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es coincé dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur. Je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Je vois des phénix. Je vais réessayer. Mais j'essaye d'aller dans le sens opposé à chaque fois. J'essaye d'aller dans le sens opposé tout le temps. Ça doit marcher de la même façon. Il faut que j'y retourne. En gros, je vais dans le sens opposé de chaque... Je dois trouver cette sortie, loin de ces oiseaux. C'est ça. Donc en gros, hop, à l'opposé. Avance en ligne droite. Tu vas y arriver. Ah, en ligne droite? Tiens bon. Encore? Ces choses sont tout près. Fais-le cette fois. Applique-toi. Bah là, tu dois être plus rapide. Quoi? Non, je pense qu'il faut pas se battre. Je pense juste qu'il faut pas se battre. Non, je pense qu'il faut juste pas se battre. Non! Encore ces maudits phénix! Oh, réfléchis, bon sang! Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas si dur avec toi-même. C'est pas facile, c'est tout. Mais tu vois plus clair maintenant. Tu as appris. Oui, j'irai jusqu'au bout. Je sais. Je prends un nœud alors. Je dois y retourner. Allez! Ok, je prends une nouvelle voie. Donc elle est tout droit. Et pour la deuxième épreuve, il me demande de pas me battre, d'arrêter de me battre. Donc je pensais que ça aurait Vous pu être ça. Plus. Je vais y arriver. Je vais le ramener. Sinon, faut vraiment tuer tout le monde. Non! Je suis en chemin! Peut-être qu'il faut que je tue tout le monde, mais ça m'étonne. Très bien! Arrête de faire les mêmes erreurs! Bah, arrête de faire les mêmes erreurs, elle est drôle, elle. Je dois aller de l'avant! Mettre fin à ce combat! Donc, j'ai essayé de pas me battre. Mais j'essaie de pas me battre. Non, peut-être que je les tue tous, mais ça m'étonne. Tu recommences, tu vois? J'essaye de comprendre! Ah merde! Mais j'ai besoin de temps! La réponse que tu cherches est juste là. C'est une illusion de protection. C'est bras zéro! Oui! Un symbole d'un autre temps. Ah bah j'avais réussi alors! De tes anciennes croyances. Il faut que je l'éteigne. Faut que je l'éteigne? J'abandonne. J'en ai assez de tout ça. Assez de me battre. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je suis fière de toi. Où es-tu? Je suis là. Hugo! Viens! Viens! J'ai cru que je te reverrais jamais. Moi aussi.
tellement peur. Mais tu y es arrivé. Tu peux marcher? Oui. Oh. Tu sais comment sortir d'ici? Oui. Suis-moi. Oh. Oh. Allons-y. Quittons cet enfer. D'une façon ou d'une autre. Amicia, je croyais que tu étais morte. J'ai vraiment cru. Je sais. J'ai cru que... j'étais tout seule. Alors j'ai fait une bêtise. Hugo, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est une grosse bêtise. Plein de gens meurent maintenant. Je le sais. Et... c'est que le début. Il faut qu'on parte d'ici. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mère. Et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais... on l'a mérité. Cet endroit me dit quelque chose. La sortie est par là, tout au bout. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Je vous ai déjà vu. Hé! Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le garçon! Il l'a tué! Je suis désolée. Tué? Mais quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Comment? Je vois aucun rat! C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Ne restons pas là! Viens! On doit arranger ça, Amicia. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut partir d'ici. Oui. Regarde-les. J'aimais tellement cet endroit. Et ces gens... Tu dois arrêter ça! Mais je peux pas. Concentre-toi. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà tout oublié. C'est un mensonge. C'est la Macula qui nous joue des tours. Je suis la Macula maintenant. C'est moi. Quoi? Non! Tu savais que ça pouvait arriver. C'est trop tard. Non, non, non! J'ai laissé la Macula prendre toute la place. Et voilà ce qui se passe. Je sais. On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Hugo, ça peut s'arrêter? Je les mange, Amicia. Pas seulement eux, mais tous les autres aussi. Et toujours plus à mesure que les rats se répandent. Alors, c'est la fin? Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Je... tu dois m'arrêter. Pour arrêter la Macula. Hugo, tu peux pas... me demander ça. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Tu n'es pas un monstre. Je vais le devenir. Si je tue tout ce que j'aime, toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je comprends, mais... s'il te plaît. Je vais essayer. Ah non. Ah non, non. Oh. Ah, moi, j'ai pas envie, hein. Je vous le dis direct, hein. D'accord. Et maintenant, Hugo, où es-tu? Où es-tu? Je suis désolée, mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête? Comment je pourrais être prête? Je sais, mais je ne peux plus m'arrêter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hugo! Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Au revoir, Amicia. Je t'aime. Je t'aime tellement. Tu seras parti. Il ne restera plus rien. Je serai seule. Toute seule. Je peux pas. Lucas,
Je suis là. Je suis là. C'est pas bien. C'est pas bien. Alicia. Je sais. Bah ouais, mais j'ai pas envie. Voilà tout. Non, non. Mais je veux voir si... On n'a plus de temps. Je vais attendre. Je sais pas. Je vais voir s'ils ont pensé à une alternative ou autre. Tu n'y arrives pas. Laisse-moi. Laisse-moi le faire. C'est pour ça que Lucas a l'arbalète, hein. Je vais attendre. Désolée. Eh oui. Désolée. C'est pour ça que t'as l'air balèze. Eh oui. Eh oui. Waouh. Ah ouais. D'accord. Waouh. Ah bah ça se finit comme ça.
Oh. Ah ouais. Ah, c'est dur. On verra. On verra. Merci beaucoup, John Rose, pour ton prime. La non-musique, ouais. Mais ils ont pas mis de musique, non. Je sais pas si... On va passer juste pour voir s'il y a quelque chose à après. Merci pour le prime, Azralith. Ah oui, 17, l'héritage des deux runes. Semble plus haut à chaque fois. Oh, Sophia, tu es venue. Bien sûr, je voulais pas rater ça. Attention, je sens le vieux Book. Alors dans ce cas, bienvenue chez toi, vieux Book. Comment tu te sens? T'es prête? Oui, je crois. Alors on n'a plus de temps à perdre. Attends. Bien, allons-y. Comme tu veux. J'ai laissé les chevaux plus haut. Alors, qu'est-ce que t'as fait ces derniers mois? Je marche, je répare la maison. J'essaie de m'épuiser. Et ça marche? Ça va mieux. Ouais. Bien. Je me suis beaucoup inquiétée, tu sais. Je vais bien, Sophia. Ça fait un an. Oui, déjà. Et... comment vont les affaires? Ça va. Je fais dans le commerce légal ces temps-ci. Oh! Comment ça se fait? Ouais, eh bien, non, j'ai envie de vivre bon. Plus longtemps. Ah oui? Je préfère une mer d'huile à une tempête. Pour un deuil... À propos, on lève ça. L'ancre demain. Parfait. Parfait. Et... Lucas? Il ne viendra pas. C'est... je le vois encore... le faire. Ça passera peut-être. Avec le temps. En tout cas, il est certainement sur la route quelque part, à étudier. Ce garçon. Ouh, ça se rafraîchit. Attends le pas, ça nous réchauffera. Ouais, donc du coup, il doit y avoir plusieurs fins. Il doit y avoir plusieurs fins pour le jeu, parce que, comme elle dit, je vois encore le faire, le tuer. J'imagine que si c'est moi qui le tue... Alors, tu sais vers quel rivage tu veux qu'on t'emmène? Pas encore. Peut-être que Lucas est encore là. Mais je pense que je le saurai quand je croiserai les signes. De la macula? Oui. Elle laisse des marques sur les choses et les gens. Je pense pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs. Je crois qu'il n'y a pas de good ending, je dis à ça. Il y en a prochain pas. Fléau. Je veux leur montrer la voie, comme Aelia l'a fait pour nous. Inutile que je te dise de te reposer, alors. Exact. Très bien. Ah, oh, ça sent si bon. Et ce silence. Ouais, ça va me manquer. Bah, un troisième opus, je vois pas... je vois pas comment, parce que... bah, la Macula a disparu avec la mort de Hugo. On après, arrive. Ça règle pas vraiment le souci, hein. Parce qu'on se rend compte que...
Il y avait d'autres Basilius. Les gars. Et Aelia. Voici Amicia. Soyez même gentils. Aussi oui, auparavant, tu vois. Oui. Salut. Oui. Tu peux m'attendre un peu? J'ai une dernière chose à faire. Vas-y, je ne suis pas pressée. J'ai encore mal au dos avec cette route. Pas de tempête en vue? Bah si, il y avait déjà eu l'histoire avec Basilius et la Macula. Ça ne prendra pas longtemps. Donc c'est un cercle qui se répète sans fin. Ça va aller. C'est beau, hein. C'est magnifique. Un monde la mer, ouvert elle me comme semblait ça. Tellement plate après ça. Oh là là, c'est beau. Ah non, faut que je descende. Il est presque. Ouais, c'est ça. Monde ouvert avec un chemin bien balisé, c'est vrai. Arrive. À part là, à qui? Oula. Des oiseaux? Ça va aller. Jamais ici avant. J'ai toujours su que tu te ferais facilement des amis. J'étais pas sûre d'être prête, mais Sophia est là. On n'a jamais abandonné, pas vrai? On a tenu. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver? Moi, je m'en souviens.
et je ne laisserai personne l'oublier. Il doit y avoir plusieurs fins. Le chapitre 17 doit faire... doit proposer plusieurs fins. Là, en gros, on prend la mer avec Sophia. Peut-être une fin avec Lucas. Mais ouais. En tout cas, félicitations. On peut de gros bravo aux développeurs de Euplectel. Parce que le jeu est sublime. Le jeu est incroyable. De A à Z, il est beau, il est émouvant, il est dur. La fin, ils sont comment dire. Ils ont été chauds quand même de forcer le joueur à tuer le petit frère. Mais en même temps, c'était certainement la solution, c'est vrai. En vrai, on aurait dû s'y attendre. Ah, c'est dur, hein. C'est très très dur. C'était un magnifique jeu. Vraiment, merci à vous tous pour d'avoir suivi cette... ce let's play, parce qu'il était incroyable. C'est vrai. Bah bravo. Bravo, parce que il est incroyable, ce jeu. Vraiment. Il va falloir de la positivité, hein. Bah non. Merci à vous de nous permettre d'avoir des pépites comme ça, quoi. Je vais vous laisser quand même c'est un petit peu défilé. Moi, je pense que on va devoir se quitter tous à un moment donné. Non. Peut-être parler un petit peu du jeu, avoir un retour sur tout ce qu'on a pu vivre. En vrai. Encore une fois, tout s'est enchaîné d'une manière où, en gros, je pense qu'on s'y attendait pas. Enfin bon, c'est bien, c'est très bien. Une blague pourrait aider. Mais alors on ne fera pas, on ne retentera pas, du coup, la fin pour voir ce qui se passe. J'en ai vraiment pas envie. Je vous laisserai voir... Je vous laisserai voir avec... Bah là, on a toutes les voix françaises, tiens. Comme quoi, peut-être que vous voyez les voix françaises, certaines que vous connaissez. Mais on ne retentera pas pour voir s'il y a d'autres fins. Je vous laisserai voir chez d'autres streamers qui peut-être tenteront un choix différent. Moi, je... Bah, c'est mon jeu, donc je ne choisirai pas le choix où c'est moi qui tire. Peut-être que même, en fait, on a beau tirer, on essaie de tirer, peut-être que justement, le personnage t'interdit de tirer, je ne sais pas. Ça, c'est à voir, même ça vous forcera peut-être même à faire le jeu de votre côté pour le découvrir. Mais... En tout cas, voilà.
Apparemment, il y a encore une scène. Ah bon, bah alors attendez, alors je vais. On va rester. On va rester pour avoir l'autre scène alors. Ah, il y a une scène bonus. Ah oui, il y a une scène bonus. Comme quoi. Oh! Ah oui, donc on a un troisième opus alors. Bah ouais. Ah, d'accord. Bah, c'est un cercle sans fin, on l'a vu avec Basilius et Aelia, c'est ça, qui pareil ont échoué. On a vu, du coup, on a suivi toute l'aventure avec Amelia et Hugo qui ont échoué. Enfin, échoué, on sait pas si c'est vraiment échoué, mais en gros, c'est une boucle sans fin et c'est vrai que du coup, c'est on voit que peut-être qu'il y aura un troisième opus parce que, et vu ce qu'on a pu entendre, ça suppose que ça va être aujourd'hui, en gros, un petit peu dans les années, nos années, les années 2000 ou plus, et que ça va recommencer, du coup, la peste. Waouh, ouais, contemporain, donc il y a possibilité d'avoir un troisième opus, c'est possible. Comme quoi, donc ouais, il y avait bien ce petit bonus, donc bah vivement le 3 si c'est le cas, si on aura un 3. Hein. Donc merci à vous, voilà, merci beaucoup pour cette run, merci à vous d'avoir suivi cette aventure avec moi, hein. Écoutez... merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance, merci pour tout. GG aux développeurs, merci d'avoir, du coup, les développeurs d'avoir suivi l'aventure avec moi également. Bravo encore une fois, parce que je vous assure que ça, comme je te dis tout à l'heure, bah, ça fait partie de mes jeux préférés. Donc. Non, voilà, c'était dur, hein. C'était dur. Je pense que là, je vais passer une bonne journée. Il y a l'air d'avoir du soleil dehors. Je vais justement, on va aller voir du soleil. Au moins, on va pas rester dans l'ombre pour être envahi par la dépression des reins. Moi, je vais vous dire adieu. Merci à vous. N'hésitez pas, bien entendu, à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, tout ça. Et je vous envoie plein d'amour et on se retrouve.